Être volontaire au sein de WWF Madagascar est une expérience extraordinaire qui marque toute une vie. Je m'appelle Anzatina Fenoussou Hazana Marie Manding, j'ai 25 ans, et je me suis lancée un défi en tant que volontaire en appui en communication et accompagnement des jeunes du consortium Maïr. J'ai commencé mon aventure en janvier 2020, alors que je quitte ma zone de confort pour découvrir une nouvelle vision de Madagascar, être volontaire dans le paysage du Manambulu Tirigin est une grande aventure. J'ai découvert les richesses des mangroves et ses caractéristiques. De plus, en contribuant avec les jeunes du consortium lors de la journée des mangroves au mois de juillet, j'ai compris leur perspective sur la conservation des mangroves à Murundave. Cette expérience en tant que volontaire m'a fait grandir, personnellement et professionnellement, tout comme la taille de ce baobab. Être volontaire au sein d'une organisation internationale est riche en expertise, et ce, malgré cette dure période de confinement. La communication n'était pas ma tasse de thé, mais j'ai beaucoup appris tout au long de mon mandat. Elle m'a permis d'être plus digne de confiance, d'être plus optimiste, plus déterminée et plus engagée. J'ai surtout appris pour le bien de la nature, en communiquant la valeur de la biodiversité par des visuels et des œuvres d'art qui ont stimulé ma créativité et mon amour de la nature. En voici quelques exemples. Je suis très reconnaissante de faire partie de la grande famille des pandas. Merci WWF Madagascar pour cette expérience inédite.